différent sur vos tableaux ou ça vous est indifférent? Non, moi ça me plaît. Ça me plaît parce qu'à partir du moment où les gens voient quelque chose, c'est qu'ils l'ont regardé. Il me semble que vous faites des abstraits, mais c'est moi je sens du figuratif. Je ressens des visages, je ressens des formes, je sens que j'arrive à identifier et que vous dites non, je pense à rien, je peins comme je dois peindre. Je pars sans a priori, sans a priori, sans idée. Et petit à petit, c'est fou comment ça fait d'ailleurs, parce que je suis dans mon tableau et je ne suis que dans mon tableau et j'y vais. Rien n'existe. C'est fou ça. Toujours ça lâche prise terrible. Toujours confrontation du positif et négatif, du sombre et du clair, la lumière et du noir. Quoi, oui, C'est une lutte, c'est une bataille. C'est une bataille, c'est évident. En permanence. En permanence, bien sûr. C'est la recherche du Graal? J'aimerais bien, mais bon, une sérénité, disons. Oui. Une sérénité et une sagesse. La chance de rencontrer, enfin une chance, je ne me rendais pas compte à ce moment-là, une amie qui peignait et qui, je voyais son travail qui s'améliorait. Moi au début je souriais, même je me moquais un peu. Puis quand j'ai vu qu'elle faisait des merveilles, elle me dit, t'as qu'à essayer toi. Et puis après petit à petit, j'y ai pris goût et j'ai osé peindre ce qui me venait en fait, sans rien. J'aime ou j'aime pas. Il faut comprendre ce qu'on a voulu transmettre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'attarder un petit peu. Quand on voit un paysage, on le voit tout de suite. Tandis que la peinture abstraite, on est obligé de s'attarder et d'essayer. Mais est-ce qu'on a envie ou bien on passe et on voit rien.